Yo les gars, c'est Rex pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos parce que la semaine je peux pas faire de vidéos vu que j'ai cours, mais tous les week-ends je sortirai environ entre 1 et 5 vidéos par week-end. Donc c'est pour vous montrer comment avoir le cambrioleur en mode zombie. Donc c'est la dernière arme, c'est l'arme seconde, c'est le couteau le plus puissant qu'on peut avoir. Donc par contre, vu qu'on a la manche 2, il y a beaucoup de zombies, c'est le seul problème. Donc pour l'avoir, il faut finir la manche 20. C'est pas maintenant que ça va changer. Attendez. Il faut finir la manche 20 avant 32 minutes. Donc comme vous voyez, ça prend la place d'une arme. Parfait, j'adore les solutions radicales, moi. Par contre, ça prend la place d'une arme, donc il faut que vous enlèverez une arme si vous voulez cette arme. Donc c'est un peu le petit bémol qu'il y a, mais sinon elle est super bien. Elle one shot jusqu'à la manche 30, même plus que la manche 30, je crois. Donc c'est l'arme, c'est le couteau le plus puissant de ce mode zombie. Donc il faut finir la manche 20 avant 32 minutes. En fait, moi je l'ai fait sans faire exprès. En fait, j'ai vu un truc, je croyais que j'avais fini un défi du jour ou un truc comme ça. Et ils m'ont dit, manche 20 fini en moins de 32 minutes. J'ai dit, il y avait marqué cambrioleur disponible au temps. Je me suis dit, oh super, une arme secondaire et tout, encore à prendre. Donc si la vidéo vous a aidé, vous a plu, je vous dis like, si vous n'avez pas déjà fait, moi je vous dis bye tout le monde.